de ces têtes de pont non colonisables, bien entendu. Esgar, peut-être. 2,2 de prod. Et là, il y a quoi, là? 0,1. Ok, il nous faut cette planète. Cette planète a une importance capitale pour la survie du sultanat. Il fait quoi, lui? C'est un cargo? Il me faut un vaisseau colonisateur, bordel de merde. On va annuler les Marines qui sont pas immédiatement en cours de production. Et on va faire un colonized ship. Allez, bordel, il me faut plus que ça. Ok, donc là on est bien là. Ouais, on est plutôt bien. Ok, les Scorpios sont bien. Ça a combien de PV ce truc? 10 PV quoi, ok. On verra ce que ça donne hein, quand les Vulgars vont venir, parce qu'a priori ils nous aiment pas trop. On n'est pas allé sur la gauche là, ça m'embête un peu. Ah, RZ, ça donne quoi ici? Il y a quoi de bien? Rien, rien, rien. Et 0,9, c'est pas mal. Et là? T'y vas pas, mon pote? Ah, quand même. Qu'est-ce que ça donne? Ouh, c'est intéressant, ça. C'est pas génial, mais ça pourrait être une bonne... Où est-ce que mon vaisseau colonisateur est là? Ok, il faut qu'on prenne à tout prix... Ok, ils ont l'air d'être sympas. De la salade, clairement. Et c'est celui-là qu'on veut. Ok. Alors. Colonized ship. Qu'on soit bien d'accord. Salut. Ok. Jusque-là, tout va bien. Là, ici, il y a de la protection. Vous deux, vous allez protéger Origins quand même, faut pas déconner, c'est notre berceau de civilisation. Là, il y a deux Marines. Ok, ça devrait le faire là. Là, on est bien là. Je pense que j'aimerais bien, c'est que ça se termine ce truc là. Putain. Les biosphères, c'est super important quoi. Sans biosphère, on pourra pas coloniser Vulcain comme il faut. Et Arzid, il y a un truc ici. Là, il n'y a rien, on avait vu. Ok. Ok, ben, on va accélérer un peu le truc. Hein. Allez, 4. Voilà. Vous êtes si étrange, comment pouvez-vous nous faire des êtres sans racines? Allez, le gars, il veut un cadeau, mais get the fuck up. Non, mais j'hallucine, quoi. Nous a pris pour des faibles, quoi, là. Hein? Donc là, nos amis... Non, c'est après. C'est Exed. Ça va être nos têtes de pont. On va appeler cette planète Phoenix, et il faudra les défendre à tout prix. Ok. Ah, on est bien là. J'irais bien voir jusqu'à Arzid même. Mais pour le moment, on est limite. Diplomatie, il faut qu'on fasse. Je vais créer un nouvel agent. Et il va former. Pour 50$. Ok. On a même besoin de 2 argent. Et lui, il est en défense. Ok. Ok, ça me va. Donc là, on est bien. On commence à connaître... Donc là, voilà. J'ai deux scorpions ici. Les cargos, ça se balade. C'est cool. Alors, on va avoir
besoin bientôt de plus de cargo, mais bon, c'est pas encore pour tout de suite. Allez, là, il nous faut plus encore. On va attendre tranquillement les 450. Ah, ça y est, c'est colonisé. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Qu'est-ce qu'on a là? Allez, j'avais oublié, c'est une colonie. Phoenix. Voilà. Ok, donc là on est bien, 446, on va pouvoir commencer à équiper Dolabi. Allez, hop là, donc ça y est, on a les biosphères. Là, on a juste besoin de plus de prod. Et on va pouvoir commencer à faire des trucs sympas. Ça nous sert à rien. Construire un peu d'infanterie. Ok, et ici comment ça se passe? Donc on est à 0, on est en balance excédentaire bien comme il faut. Falloir faire plus de cargo. Je veux deux cargos. Ouh, on commence à s'émanciper un petit peu, et un colony ship encore. Allez, dépêche, pas toute la journée. Voilà. Donc maintenant qu'elle, elle est en excédent, elle va passer en exportation, et en exportation aussi, là, c'est bon. Ok. Mais non, on peut pas le colony ship, putain. Cargo. Transport de biens. Transport de biens, le colony ship, lui, il va passer directement à Arzid, là, et on va aller ici. Ça fera une jolie tête de pont. Exed, comment ça se passe? Ça va, ils ont commencé à biosphère, là. Là, on va attendre tranquillement. Là, ils viennent de donner de la bouffe, donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche, malheureusement. Ici, ça se passe comment? 39 sur 40, allez, cocotte. Parfait. Donc là, on est bien. On va commencer tout de suite une ferme pour qu'ils soient excédentaires ici. Voilà. Exit, comment ça se passe? Ok, ça progresse. Faut te faire enculer, ouais. Ah là là, la diplomatie! Donne-moi ça et je te laisserai vivre encore un peu. Attendons un peu, bande de. Donc là, construction de corvette. Ensuite, on va passer en sociologie, gouvernance interstellaire. Voilà. Ok, donc là on est bien. Là il y a deux. Ok. Mais on va commencer à se lier d'amitié avec ceux qui nous barrent pas la route. C'est-à-dire, ceux-là on peut les tolérer. Les rouges, on va pas les tolérer. Et les Riley Devoted, c'est d'accord. Ok, donc réfléchissons. Les Polop, ils nous aiment pas trop. Les Riley, ils sont nuls. Clairement, eux, c'est nos potes. Contactez. Donc, un pacte
un traité commercial. D'un ton respectueux. Ok, en clair, il m'a dit va te faire foutre. Je retiens. Je retiens. Bitch. On va manquer de trésorerie là. On va les laisser en défense pour le moment, nos agents. Putain, bientôt, bientôt. Oh putain, tout est bloqué. C'est chaud là. Bon, heureusement, eux, ils viennent d'être. Ah là 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 là, c'est Tandax. Donc là, il y a des Marines. On est bien. Bon, on va construire une biosphère. C'est pas mal ça. C'est pas mal. La recherche. Ok, la recherche que dalle, j'ai compris. 0,6, 1,5, c'est bien. Ouais, on s'en fout. Voilà, donc on a enfin notre premier module de vaisseau de combat. On va pouvoir commencer à s'amuser. Sur Vulcan, comment ça se passe? C'est la merde également. C'est la merde. Origins, c'est là où je vais aller. Donc, vaisseau. Chasseur. Donc ça, on va modifier ce que c'est. Ok, donc on a un nouveau type de chasseur. Corvette. Voilà, c'est des corvettes. Corvette. Alors on va voir les corvettes de base pour s'imprégner. Comment ils font? Ok, donc clairement c'est du full dégâts. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, nous. Donc. Qu'est-ce qu'on veut d'un bâtiment comme ça? On veut déjà. Les cibles d'énergie capturent et stockent l'énergie générateur d'un vaisseau, augmentent le rayon d'action effectif et la résistance au combat. Clairement, il nous faut une cellule d'énergie. Réacteur. On est d'accord. Ok. Voilà. Bon, c'est de la merde parce que ça bloque. Voilà, ça me paraît pas mal. Comme ça. Ensuite, on va d'abord mettre ce qu'il faut à tout prix mettre, c'est un cockpit. Voilà. Petite cale de cargo, c'est quoi ça? Ouais. Ok. C'est trop gros, c'est la merde. Donc, on va passer aux défenses, du coup. A priori, je peux pas mettre ça là. Ok, bon, bah, j'ai compris. Hein. Je peux mettre que ça ici. Et ça. 4 non. Tourelle lourde, on peut pas. A priori, je peux pas non plus. C'est bizarre. C'est bizarre le truc. Alors, petit moteur de chasseur, accélération 25K, accélération 13K. Vitesse sublimique, ok, total PV 2K. Ok, on est à passer à 1K de vitesse sublimique, ok. Est-ce qu'on a assez d'énergie?
Ok, donc là on est bien. On va commencer à blinder le truc là parce que. Tout ce qui est autour du réacteur, je rigole pas avec ça. Voilà. Donc là on est bien. On va peut-être un petit peu l'armer parce que le but c'est quand même qu'elle fasse du dégât. Sais pas trop ce que je peux foutre là. 10, E, 1, ouais, non. Ouais, je vais mettre de la cloison. Ok, ça me paraît pas mal. Et on va l'appeler. On va l'appeler le. Le veilleur. Ok. Échappe. Donc, chasseur. What the fuck? Pourquoi j'ai pas le veilleur? Corvette. Ah, voilà. On va faire deux veilleurs sur Origins. Et on va avancer un peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, il y a pas mal de nouveaux bâtiments qu'on peut faire. Donc, là ça commence à être critique. Il va falloir réfléchir un petit peu à toutes nos possibilités. Sur Vulcain. Bon, Vulcain, ça en est où là, bordel de merde? 48 sur 50. Et il commence à être galère niveau bouffe, mais ça va le faire. Ça va le faire. 49. Ça y est. Donc, ils ont ce qu'il faut en. Je veux plus que tu importes de bouffe ici. Maintenant, on va se concentrer sur la biosphère. Là, on est bien. Ça, c'est le vaisseau colonisateur qui va ailleurs. Attends, je suis en 2x là. Origine. Alors, origine, c'est pas tout ça, mais on a pas mal de choses à faire. Vaisseau. Ah, bah non, il n'y a que dalle. Ok. Ici, on en est où? On est tout en exportation, c'est pas mal. On fait une biosphère en plus. Là. Et on va faire des veilleurs. Voilà. Alors le veilleur, il a quoi comme gueule? Normalement, il devrait être dans le coin, on le voit. Ok, ça ressemble à un MIG. C'est plutôt bizarre. Bon, admettons. Pour le moment, le but, c'est pas de rentrer en guerre. Oh putain, on n'a plus beaucoup de thunes, on va devoir augmenter un peu les impôts. Ça fait chier. Ouais, on peut pas augmenter les impôts comme ça, quoi. On va avoir un grave problème là. Si on est en déficit, c'est pas cool. Falloir se concentrer là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Là, ils ont tout ce qu'il faut. On va faire un port spatial. Ok. Ok. Alors, on vient de coloniser une nouvelle planète. Et c'est la merde. Donc, on va pouvoir faire une ferme. Ça, c'est cool. Une station ici. Et un port spatial ici. Et ça s'arrête là. Voilà. Donc là, on est bien. Et ce poste-là, on va renommer un petit peu. On va l'appeler. Comment on va l'appeler? On va l'appeler. Nouvelle Paris. Oh, je peux pas.
On va l'appeler. Putain, je me tâte. Ok, c'est cool, je vous aime bien. Pour le moment, on va pouvoir lui, quand même lui laisser un nom, ce serait con. Roche. Est-ce qu'il y a que de la roche dans ce pays? Ah, on est en manque de thunes, c'est ça que t'es en train de me dire. Ah là 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 là, c'est pas bon, c'est pas bon. On va devoir augmenter les impôts. Ça va tout casser par contre. Ça va tout casser au niveau de l'empire. On va produire comme de la merde. Phoenix moins 0,4. C'est pas bon ça. Mais au moins nos planètes sont. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, Roche? Adoptant un soldat se battre pour renverser qui est juste trop.